Jo Jongchol. Un des hommes forts de cette compétition. Impressionnant lors du concours par équipe et lors du concours général individuel. Voyons s'il a encore de la réserve. Double vrille et demi, suivi d'une vrille avant groupée. Impeccable. Tempo. Vrille et demi, suivi d'une vrille et demi. Là aussi, rien à dire. Passage au sol. Ici, en facial russe. Les grands cercles Thomas. Pivot suivi de monter à la TR, redescendre, remonter une seconde fois à la TR. Tels les danseurs de breakdance. Originalité bien sûr pour ces mouvements au final. Le gymnaste donne tout. Ici un salto arrière avec demi-tour. Élément assez simple sans doute pour récupérer un peu et se concentrer sur la dernière diagonale. Prise d'élan, saut de main, double vrille. Voilà, beau mouvement. Un petit peu décevant sur la fin. Oui, ça manque un petit peu, on va dire, d'amplitude. Franchement, c'est un peu en dessous de ce que l'on vient de voir. De mon point de vue, bien sûr. Oui, il devrait rester derrière, logiquement. Alors, on revoit ici la double vrille et demi. Percuté autant salto avant vrille. On va dire que c'est un petit peu plus scolaire que ce que l'on a vu, un petit peu moins d'amplitude. Ici les fameux cercles Thomas, amplitude maximum, écart de jambe, impressionnant. Il était cinquième des qualifs avec 1500, vous voyez, il reçoit 15-200. Voilà, troisième sur trois pour l'instant.